Je ne lis plus la presse spécialisée, mais je consomme beaucoup de vidéos sur YouTube, notamment des critiques et des avis sur les films. Et à force de constater qu'aujourd'hui, légion de cinéphiles autoproclamés confondent esthétisme et marketing, je me décide à écrire ce texte pour réagir à une vulgarisation en masse de la pensée cinéphile. Les cinéphiles, ceux-là même qui ont grandi durant l'âge d'or des studios états-uniens et qui, une fois adultes, passaient de public au statut de spectateur, ont su faire évoluer le paradigme cinéma égale spectacle vers la politique des auteurs. Le premier effet, très positif de cette progression de la pensée, fut d'ouvrir le spectateur à d'autres cinématographies du monde, en provenance d'Italie, de Russie ou bien plus largement d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique. Le second effet, qui est un mauvais contre-coup, induit la notion de morale et de responsabilité dans la fabrication des images. Dès lors, et c'est la raison d'être de ceux qui prolongent l'expérience du film par l'écriture de leurs ressentis, il faut critiquer, définir le bon et le mauvais, s'inscrire dans une ligne éditoriale. En France, des youtubeurs comme Durandal, In the Panda ou encore le Fossoyeur de films sont les précurseurs de cette nouvelle cinéphilie. Ils sont capables de reconnaître le naming publicitaire dans l'association entre les noms de Star Wars, par exemple, et J.J. Abrams. Mais il reste persuadé que le cinéaste embarque avec lui un savoir-faire qui autorise le cinéphile à faire entrer le nouveau Star Wars dans la respectabilité d'un cinéma mainstream. Même si la formule reste, en toute conscience, une formule de marketing. Abrams plus Disney égale rénovation de façade. Ils sont également capables de reconnaître des systèmes cohérents, souvent des exceptions qui confirment la règle. Ils parleront du cinéma de Brian De Palma et expliqueront que le rapprochement entre Outrage et Redacted produit un sens plus grand. En revanche, ils éviteront soigneusement de parler de Passion, le tout dernier De Palma, parce que peut-être qu'ils ne trouveront plus cela très cohérent dans ce système filmographique. Nous voici donc à l'ultra-pointe de cette fameuse politique des auteurs, lorsque celle-ci est récupérée, digérée, transformée par des années de procédures publicitaires. C'est ce que j'appelle la dictature du naming, technique marketing qui consiste à renommer les stades ou les salles de concert par le nom de consortium d'entreprise. On ne s'intéresse plus aux ponts espions, mais on dira plutôt « As-tu vu le dernier Spielberg ?» Des cinéastes comme David Cronenberg ou Bruno Dumont ont une ombre portée immense qui finit par cacher leur film. Il n'y a plus aucune chance pour les films d'être pris pour ce qu'ils sont individuellement. Il n'y a plus que des individus qui en ont les commandes. On dira « As-tu vu le nouveau film de Nicolas Winding Refn ?» persuadé que c'est génial, et que si le sens nous échappe, d'ailleurs, c'est qu'il est probablement caché dans un système de films appelé filmographie. D'ailleurs, j'ai déjà un temps de retard. On ne collectionne plus les films, pour certains, mais des coffrets de films retraçant les trajectoires de cinéastes carriéristes. On ne dit plus « c'est bien » ou « c'est nul », mais on se référera plutôt au succès d'estime sous forme de score aussi bien financier que public, et avec des taux en pourcentage comme ceux de Metacritic ou des notes sur 10 avec le système IMDB. À l'heure du tout Disney, la rentabilité est également revenue au premier plan dans la construction de la respectabilité d'un film. À quoi bon en parler sur YouTube si personne ne l'a vu? Spielberg, depuis la politique des auteurs, Truffaut dans Rencontre du troisième type notamment, jusqu'à Abrams, la relève officielle, synthétise toute cette histoire de la nouvelle cinéphilie. D'ailleurs, pour faire un court aparté, je me pose la question suivante. En quoi choisir Abrams plutôt que Night Shyamalan? Est-il plus pertinent pour faire suite à Spielberg? Je pense très sincèrement qu'un mec comme Shyamalan a été désingué par un système de cinéphile qui n'a pas su voir en lui quelqu'un de plus pertinent qu'un simple faiseur de twist et qui a donc payé, certes, sa mégalomanie et sa prétention, tout faire sur le film, scénario y compris, face à un Abrams porté au nu et qui ne verra jamais véritablement reprocher ses incohérences, puisque de toute façon, son staff d'écriture corrige le tir à chaque fois. Pour faire court, chez l'un, les films se suffisent à eux-mêmes. Chez l'autre, pris individuellement, ils sont plaisants, tout au plus, au pire, anecdotiques. Pour moi, Shyamalan s'est fait descendre uniquement sur l'argument du naming. Pour revenir à Spielberg, la réflexion qui m'a amené jusqu'ici a commencé quelque part au milieu du visionnage du film Lincoln, sorti il n'y a pas si longtemps. Le film menait son train, tambour battant, littéralement, et bien que l'histoire et ses détails passionnent, arrive un moment où je constate l'absence totale de style. Mise en scène à l'économie maximale, pas de traces de signature type, calme plat. Le film se déroule, loin d'être déplaisant, pas mémorable non plus, et puis je passe à un autre film, et très vite, j'oublie Lincoln, perdu dans le flot torrentiel de sorties contemporaines. Lincoln est donc un film plaisant, tout au plus, au pire, anecdotique. Personne n'en parle. Le film est mis sous silence pour ne servir que dans le tout filmographique, lorsqu'il faudra parler de Spielberg en bien. De toute façon, même si le film avait été mauvais, à l'image des Tintin et autres Indiana Jones 4, cela aurait été très vite oublié par cette génération popcorn 80s, sous le prétexte, justement, d'une balance dans la filmographie qui pencherait toujours en faveur du culte indépassable dont on ne questionne plus la pertinence. Le déclic est venu plus tard, c'est-à-dire tout récemment, lors du visionnage du Pont aux espions. Cette absence de style ne serait-il pas justement le style le plus abouti de Spielberg? Comme un retour à l'âge d'or, à la période dite classique des studios? Un retour pour celui qui est cinéphile lui-même à l'ancienne école? Celle des Ford, des Hitchcock, des Capra, l'école de la transparence hollywoodienne? Ce retour, c'est l'obsession du film. Il y a d'abord le personnage
qu'interprète Tom Hanks, James Donovan. C'est un avocat commis d'office à la cause d'un espion russe, jugé et condamné par tout un pays à la pendaison. Alors que chaque personnage secondaire essaye de soudoyer l'avocat pour y trouver son compte, Donovan montre qu'il est clairement au-dessus des préoccupations de chacun, voyant plus large. Donovan a le recul nécessaire pour voir la grande image. Une scène de dialogue forcé avec un agent du FBI devient un échange sublime, qui va complètement dans ce sens. Enfin, la répétition d'une même séquence, au milieu et à la conclusion du métrage, achève de transformer un film qui passerait pour un élément mineur dans une filmographie donnée en un grand film individuel. Ces deux séquences consistent à montrer le personnage de Donovan assis dans un train de banlieue, une première fois traversant le mur de Berlin, tout juste sorti de terre, et la seconde fois chez lui, à Brooklyn, pour se rendre à son boulot. Dans les deux cas, Donovan regarde par la fenêtre et constate la répétition d'un motif. Des jeunes font le mur. Dans la première situation, l'issue est évidemment malheureuse. Dans la seconde, alors que les jeunes font simplement le mur dans une arrière-cour, peut-être en s'amusant, le personnage de Donovan, au lieu de sourire, de se réjouir, baisse la tête et s'enferme dans une sombre mine, se rappelant de la première situation. Il n'y a pas d'amélioration, ou simplement une amélioration en surface sur l'écran. Le passé demeure inscrit de manière indélébile et nous faisons du surplace, coincé dans un train qui avance au gré des rails. C'est un appareillage de modernité, de civilisation et de progrès. Mais c'est aussi l'idée d'un déterminisme, d'une route déjà toute tracée. Certes, le train est en mouvement, mais au-delà de l'image animée et à travers la fenêtre du wagon, le plan est fixe et rien ne bouge. Le train avance, comme l'histoire avec un grand H, et Donovan n'est que spectateur de ce temps qui passe. L'écran du cinéma devient un miroir parfait dans lequel le spectateur se reflète. En se penchant un peu plus dans le reflet de notre monde, on comprend que cette histoire avance, mais se répète inlassablement. Il s'agit peut-être de la plus belle utilisation de l'objet train dans un film depuis le Grand Master de Wong Kar-wai. Et puis d'ailleurs, sensiblement la même utilisation. C'est à la fois l'origine célèbre du cinéma, l'arrivée du train en gare de la Ciotat des Frères Lumière, première balise identifiable du spectateur cinéphile, le kilomètre zéro des fétichistes de l'image, mais également une parfaite allégorie du temps qui passe. Ce retour à la vieille forme, cette absence de style tapageur, c'est peut-être la mise en scène la plus pure que l'on puisse rencontrer actuellement au cinéma. Alors que certains, beaucoup dirons-nous, il y a d'abord une idée du style, dans le pont aux espions, le style, c'est d'abord l'idée.